cette journée commence mieux. Déjà, le vide-grenier a lieu. Allons voir ce qu'il y a. Ok, première stop, pas d'achat. Pour l'instant, seulement une dame qui m'a proposé un sac à paillettes. Je crois qu'il faut que j'arrête de mettre des bagues, des fringues roses et qu'il faut que je me coupe les cheveux. Je cherche un calendrier de 2013 sur le cinéma vénitien, il y en a un là. Je viens d'assister à une très mauvaise scène. Quelque chose de très très grave. Il y a une dame qui demande le prix d'un skate. Le mec lui répond 15, ce qui a déjà été trop cher parce qu'à mon avis le skate valait 5. Mais bon, 15 premier prix, fallait faire une offre. Mais le plus choquant, c'est le comportement de la dame. Elle commence par un « Ah, je vous l'aurais pris à 20 ». Je me suis dit qu'ah bon, c'est pour le narguer, genre il aurait pu être meilleur négociateur, il aurait pu demander plus cher. Pas du tout. Elle a enchaîné sur un « Bon bah je vous le prends à 20 » et elle a sorti un billet de 20. Bon, il faut que je m'assoie un peu parce que ce genre de comportement là, faire augmenter les prix officiellement, ça me tue. En plus, cette poste est très mignonne. Très mignonne poste. Bon, j'y retourne. Stand à 1€, ils m'ont eu avec le panneau, mais... Bon, finalement, il y a eu un gros achat. Tellement gros qu'il fallait chercher la voiture. C'est cette magnifique lampe. Après, ma mère a une espèce de passion pour les vieilles lampes. Elle est déjà à la tête de plein de lampes cheloues, mais maintenant lui en voilà une de plus. Faut pas chercher. On y va les gars. Il y a de très mignonnes églises, mais on n'est pas là pour faire du tourisme. Hein. Faut qu'on aille pêcher. Debout, marin d'eau douce. On va à la pêche. Et c'est numéro 2. Apparemment aujourd'hui c'est la bonne marée. Et on a trouvé ce truc pour faire de l'appât aussi. C'est périmé depuis 2019. Mais j'imagine que la date de péremption pour les poissons, ils doivent pas être non plus hyper pointilleux. Donc apparemment il faut mettre du sable et cette espèce de mixture. Ah ouais, bah c'est de la nourriture pour poissons, on dirait des espèces de graines. Oui, aujourd'hui c'est la bonne marée, donc normalement ça devrait marcher. Mais malheureusement j'ai trouvé personne pour m'accompagner après mon échec d'hier. Donc j'espère que je vais arriver à leur ramener l'apéritif pour leur montrer qu'ils avaient tort. On va épargner un grand moment honteux, mais en gros, on est des citadins quoi. C'est pas la pêche. En gros, c'est un échec. Il fallait résumer. Heureusement, ma mère a fait une meilleure pêche. Meilleur pâtissier de la région angevine. Ce boulanger dispose de son propre papier peint. Tout de même. On nous a donné des tickets à gratter pour peut-être regagner une baguette. Peut-être un chocoroi. Heureusement, c'est perdu. Pour le féliciter d'avoir acheté du papier peint à son nom, lui a acheté une petite baguette épice. Oh là là, le pain, le chocolat, il est fondant. Visuellement, c'est très intéressant. Quelle est ton opinion? C'est très bon. Cannelle, chocolat, raisin sec, noix, c'est délicieux. Bon, et après avoir mangé l'intégralité de cette baguette, il a bien fallu l'éliminer. J'ai très envie de faire du skim, mais il fait un peu froid. Et je pense que j'en fais assez bien pour ne pas tomber. Cela dit, ça fait genre 3 ans que j'en ai pas fait. Merde, t'as dit quoi tout à l'heure? Aïe. Franchement, ça fait des années qu'il est pas tombé, mais pas de bol. La fois où ça arrive, pris en 4K. Perdu pour perdu, je vais réessayer un coup quand même. Oh, des chaussures compliquées énormément. Ouf. Ah mais oui, mais c'est ça aussi. Show it, Austin King. C'est vrai qu'il faut pas le faire avec des chaussures, même si l'eau est super froide. C'est quand même vachement plus simple sans. Je pensais qu'il faut qu'il se renomme Balthazar Skim. Ouais. C'est la marche de la honte. T'es tout mouillé avec des affaires comme un con. Et le retour est difficile. Faut que je me trouve un métier. Désolé, mec. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo, qui est ma vidéo préférée. Normalement, elle se passe dans le désert, mais si c'est plus là, c'est de la nouvelle, encore mieux. Donc vraiment, tu devrais la regarder. Et là, tu peux te laisser porter et tout de la regarder là. Et voilà, c'est à peu près tout. À demain. Bisous. Pas bisous. Ciao, ciao. Non, pas ciao, ciao non plus, c'est ringard. Faut que je me trouve un métier.